Échanger avec les journalistes de la presse nationale et internationale. Ils sont 400 présents à Abidjan dans le cadre de l'événement ICI 2014. Dernier acte de Daniel Kamla Duncan, ministre de l'économie, des finances et du budget. À la clôture, d'entre deux jeux, il a souligné sa satisfaction pour les acquis. 443 milliards d'intentions d'investissement repartis entre 280 milliards de projets privés et 163 sous forme de partenariat public-privé. Nous sommes dans la bonne voie, dans la bonne direction. Il faut faire en sorte que ces intentions se traduisent en réalité et qu'il y ait des signatures et surtout des entreprises qui se mettent dans un délai donc d'un an, deux ans au maximum, pour qu'il y ait des emplois, notamment en faveur donc des jeunes. C'est ça qui est essentiel et nous allons travailler donc dans ce sens. Donc dans un premier temps, effectivement, nous sommes satisfaits donc de ces chiffres. Il faut aller maintenant transformer l'essai, que cela devienne donc une réalité sur le terrain. Autre fait, le niveau de participation. 3733 participants avec 1280 venus de l'extérieur. Conclusion, la Côte d'Ivoire a véritablement renoué avec la communauté internationale. Pour la gestion de tous ces acquis, le Premier ministre promet mettre en place un dispositif conséquent. Le comité de suivi va nous permettre de voir si les engagements qui ont donc été pris sont donc tenus. Les intentions donc d'investissement. Et c'est pourquoi le comité de suivi est important en liaison avec le CPC pour que ça devienne une réalité concrète, ses intentions. ICI 2014, c'est désormais du passé. Vive ICI 2016, avec en 2015 le SARA, le salon consacré à l'agriculture.